Du coup, tu connais le cheval, toi? T'es déjà allé ou pas toi au village des Vikings pour voir un peu à quoi ça ressemble? Ah non, j'y suis jamais allé, Eh j'ai ben juste écoute, entendu parler. il va falloir qu'on y aille ensemble. Par contre, il va falloir attention de garde, il va falloir y aller doucement, très doucement. À ton avis, il y a un passage du côté nord de la ville? Peut-être Alors, l'anglement entre les deux attends, montagnes, je il va regarde un falloir. peu. À mon avis, oui, effectivement. Il faudrait qu'on À passe. mon avis, il y a un passage. Je sais pas, hein, je sais pas. Sinon, t'imagines le tour que ça te fait faire Et on de m'a dit que c'était farote plus pour. autour de 30-30 sur la carte, tu vois, les coordonnées 30-30 et 30-30, ça fait quand même sacrément. Ah non, 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 à mon avis, si tu regardes bien, on est plus dans le sud-est. Derrière la cité, si tu veux, la cité, elle, tu as vu, elle était construite Bah, très bien, sur bah, au pire, on va la visiter, on va prendre à droite, comme tu disais, on va voir un peu où ça nous mène. une. Je pense que c'est par là. Par contre, il va falloir faire bien attention, parce que là, on est que deux. Et d'ailleurs, ça peut être bien aussi qu'on se mette d'accord sur, comment dire. On en parle peut-être deux devant la garde, pour, enfin de prévenir de notre départ à nos deux amis, histoire qu'ils nous cherchent pas pendant 30 ans si on disparaît, toi. D'accord. Et on se met d'accord aussi que, comment dire, éventuellement faire un petit bivouac là-bas, si on arrive sur place pour éviter d'avoir des problèmes. Mais si jamais l'un d'entre nous est amené à se faire tuer, toi, et bien on se met d'accord que l'autre, il essaie de récupérer ses affaires et il rentre directement au campement pour le retrouver. Écoute, Ok? moi, voilà, si tu. Au Ok, campement ça ou en roule. ville, Par quoi. contre, ouais, bon, moi, mes affaires ne prennent pas de risque pour moi. Mais j'ai rien d'important sur Oui voilà, moi. Tu on vois prend ça? si on peut. Mais le but c'est de retrouver son ami pour expliquer ce qui s'est passé, tu vois. Parce que bon, il faut savoir qu'on Bien perd sûr, la bien sûr. mémoire, quoi. Donc voilà. Ah, Donc bien sûr. on se retrouve directement à l'hôpital de la ville ou au bivouac si on crée un bivouac d'ici là, quoi. On verra. Mais D'accord, voilà, ça marche. le but c'est quand même que la personne ne reste pas dans le flou parce que quand on se réveille, c'est vrai qu'on se rappelle plus derrière, donc c'est compliqué, on est perdu, quoi. Par contre, ne prends pas de risque pour mon cerf. Si tu veux, les cerfs fatigues, je me suis aperçu d'une chose, c'est que ils peuvent pas attaquer, tu vois. Donc Elle ils sont comprend. juste là pour fuir. Elle Moi, les comprend animaux quoi. qui savent que fuir, Mais c'est t'aurais dangereux. peut-être dû prendre un cheval justement, ça a pu te défendre un peu mieux, mais bon. Eh. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas l'impression qu'on va revenir ça souffle de là-bas. Ah bon? Pourquoi ça? Tu penses que c'est l'expédition Je. Cassansonique? Ah bah non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je suis chasseur de trésors. Hein. Chasseur de trésors, t'inquiète pas, j'avais fait des bien pires que ça, des petites expéditions à l'improviste. Ça pue tellement les gens. Ah non, mais ça va pas marcher. Allez, c'est bon, c'est marqué, on peut y aller. User entered your channel. Tiens, n'achète jamais User left cerf your blanc, channel. je te le dis. Et pourquoi ça? Poussière? Pas se battre. Pas se Ouais, je battre. comprends. Mais de toute façon, les animaux qu'on a, c'est pour se déplacer, c'est pas vraiment pour le combat, donc bon, je vais te dire. Hein. Ouais, non, mais tu vois, si tu te fais attaquer Et bien. par un vautour ou un truc comme ça, tu es dans la merde avec ça. Ouais, mais on va te dire, attends de voir, tu vas voir les nouvelles réformes qu'il va y avoir, t'inquiète pas, c'est pas trop grave, parce que, a priori, t'inquiète pas que, normalement, hein, sans vouloir annoncer, mais normalement, les animaux, ils vont même plus pouvoir combattre, hein. Ça va être tout le monde siffler couille molle, tu vois ce que je veux dire, hein, eh. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est pour ça que ça changera rien, et bon, c'est pour des, on expliquera tout ça, de toute façon, on expliquera pourquoi ça a changé, mais oui, effectivement. Donc du coup, que t'es un cerf qui combat pas ou pas, ça change pas grand-chose. Ça va au petit truc à cheval, donc bon. Oh, par contre, je vois un mammouth là devant, fais attention. Il y a un rhinocéros là. Et on va dans la bonne direction. Oh, Attention. il y a pas mal de Non, rhinos. non, non, non. Oh, fais attention à ça, ouais. Attends, je crois avoir vu un loup. Voyez, loup, il y a des loups, arrête-toi, il y a des loups. Effectivement. Ah, effectivement. Oh putain. Là, on va contourner par là. Bah oui, c'est pas trop méchant. On a failli tomber nez à nez avec des loups, les gens. Est-ce que je peux sortir le bolas tout en étant sur le cheval? Ouais, À mon ça avis, va. si on garde la montagne sur notre droite, on va tomber sur notre route, je veux dire, on va tomber sur la mer. Ouais, bah oui, bah de toute façon, on verra bien. Tous les chemins mènent à Rome. Tu vois la mer, Je crois que je vois la mer. Ouais, mais hein? elle Hop, semble. bah ça y est, je vois rien du tout. Si, la Oh, mer. moi je vois des arbres, je vois de la neige, je vois encore des arbres et de la neige. Ah tiens, oui, t'as raison, ça Derrière la s'éclaircit un peu piste. là. Oh là là, c'est joli, oh là là, je suis jamais venu ici.
piquet. Mais pas le village des Vikings. Il est où? Attends. Écoute, je te propose de descendre dans le sud. Bah ben j'aurais. Partir par là. Tu crois par là? J'aurais dit plus sur l'autre côté, voilà. Oui, oui, je pense que le village est de l'autre côté. Et comme ça, ça me permet de. Et moi, je. Cette région vite fait. Tu vois? Ouais, mais parce que moi, c'est derrière nous le village. Je passe là. Oui, le village est derrière nous, mais justement, je voudrais savoir d'abord ce qu'il y a là-bas. Comme ça, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais on sait jamais. Et après, ouais, on va prendre le temps pour le village. Vite fait, tu vois, on fait soit les retours. Après, Nico, pour répondre à ta question, si t'as pas les subs, enfin si t'as pas les subs, si t'as pas les emotes, si t'as pas sub, peut-être que c'est indiqué que t'es sub, mais sache que t'as pas l'étoile. Peut-être que toi sur ton PC t'as l'étoile, mais moi je le vois là, t'as pas l'étoile. Que tu saches, hein, pourquoi est-ce que tu as pas les emotes, c'est normal. Donc c'est forcément si ça a bloqué, ça a bloqué, tu vois. Pour info, pour info. Titalitatou. Donc rien de choquant, tu vois. Mais par contre, l'eau, je t'avoue qu'elle a l'air un peu froide ici quand même. Oh pitié. Je me demande de, vraiment qu'est-ce qui peut habiter dans le coin. Vas-y, ça a marché, hein, Nico. On les a vus, t'inquiète. Par contre, Cowin Fire, dur à prononcer son pseudo. Juste appelé Fire. Fire. Il n'y a pas grand chose. Il y a du pingouin. Il y a du pingouin. Tiens, si les chasseurs cherchent où faire du polymère, ouais, ils pourraient venir ici, tu vois. Tu vois, ça c'est une info qui peut se voir. Ouais, effectivement. Ça va où est-ce qu'il y a du polyère, c'est pas mal. Et on est où là? Tu m'amènes de où? C'est quoi ce bordel? Ah ben, à mon avis, y'a rien du tout ici, y'a pas de village. Attends, on peut grimper là? On peut grimper? T'as vu, on va grimper. Wouhou! Allez ça! Eh! Allez ça! Grimpe! Grimpe! Oh punaise, j'aurais jamais cru ça. Eh! T'as vu ça un peu? C'est les chevaux de compétition, c'est les chamois. C'est c'est les chamois vol. On va voir, on va voir. Là, c'est le plus cette histoire là. Là, c'est dangereux par contre. J'avoue qu'un petit parachute, ça m'aurait rassuré, mais bon. Et par contre, là, c'est un peu plus compliqué d'aller plus haut quoi. Là, par contre, on est tranquille, tu vois là. Et par contre, là, je t'avoue que c'est vrai que pour venir nous espionner, c'est vrai que oh, franchement. Punaise. Et là, on a découvert un petit endroit sympathique ici. Ah, j'ai eu bien. Je vais venir, celui qui veut monter ici en mode. Je vais venir vous casser les couilles. Oui. Allez, ah, pour faire une cache à terme, tu vois, là. Là, c'est pas mal. Au condamne de devant. Les gardes, ils se mettent ici. Hein. Hop. Et si ça descend en bas, hop. Une petite flèche dans la tête, toi. Bon, en tout cas, là, ah, ouais, on note. Mais déjà, on va noter tout ça. On a trouvé une cache, éventuellement, si besoin. Et en plus de ça, on a aussi trouvé des pingouins. C'est intéressant pour les chasseurs. Une bonne information, c'est. User left your channel. Ça marche, notre bisou. Essayez de passer. Mais sur de l'eau, tu vois. Comment on va passer? Ah, par contre, si on. Mais moi, il m'a dit que c'était en 30-30. Donc pour moi, c'est au-dessus de cette montagne. Oui, à mon avis, c'est au-dessus. C'est bien ce que je te disais. Donc il faut qu'on la contourne. Faut que la contourne par la gauche, là. Et il faut prévenir le capitaine. S'il se réveille, lui, il va venir. Il connaît. Il connaît, il est déjà venu. Donc t'inquiète pas, il va trouver le chemin. Ouais, t'inquiète. T'as supprimé. Non, en fait, si tu veux, c'est juste que je suis sur deux TS en même temps et comme un con, j'ai oublié, je suis sur mon TS perso et je suis dans le truc accueil. Donc, ouais, y'a tout le monde qui. Et non, j'ai pas supprimé son TS, malheureusement. Le problème, c'est que supprimer tous les sons, j'ai supprimé Steam, Discord, l'époque. Au bout d'un moment, comment je fais pour signer une info importante, donc j'ai laissé quand même les sons oh, TS. Oh punaise, comme elle est fraîche! Ah bah attends, moi! Attends, je te dis qu'elle est fraîche! Oh là, moi je sors! Oh ça pique! Attends, je vais faire trois pouilles! Oh ça pique! Garantie que ça pique, hein. Il va y avoir une surprise. Hein. Impeccable, attends, je me mouille un peu la torse. Ouh, doucement, faut y aller doucement. Doucement, un petit peu plus, un petit peu au niveau des genoux. Hop, et voilà, hop, c'est parti. Oh, petit.
En tout cas, elle est froide. Oh putain, je kiki tout dur. Oh, enfin, tout dur, tout mou. Enfin, tu m'as compris. Tout petit. Je le trouve plus, hein. Je le trouve plus. Je crois un peu pour sécher là. Allez, un peu tout. Je pense qu'il y a un chemin pour y aller plus facilement. A mon avis, on a pris le pire des chemins en fait. J'ai aussi la carte, mais. Oui, c'est compliqué. Là, on arrive avec les queues. Oh putain. Mais comment on passe ici? Et comment on passe? Alors, est-ce qu'on tente le diable? T'as ce que je veux dire? On fait de la grimpette? Regarde, le long de la paroi, tu penses que les chevaux ils tombent là? Et tout doucement, à mon avis, ça passe. En plus, t'es un chamois, toi. Ça fait 4, t'es un chamois. Ouh là là. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Le cheval. Oh putain, j'avoue que là, ça se rétrécit un peu, fais attention. Ouais, je t'avoue que je suis pas sûr. Il va falloir peut-être se faire un petit saut et se faire trompette un peu. Avec oui. Trompette, hein. Ok. Très bien, très bien. Pas de risque dans la vie, j'avance pas. Vas-y, attends, ça passe. Oh, ça passe pas. Oh putain. Oh putain, on fait froid. Oh, j'en ai plein le calbar. Oh putain. Ah, ça, en tout cas, on peut monter ici. Ça va encore. Allez, où ça va? On peut glisser à tout moment. Les sabots, ils sont oubliés. Oh putain. Oh putain. Hop. Ouais, je suis pas sûr que c'est une bonne idée en fait. C'est fait un peu loin quand même, non? On est un peu de l'autre côté là-bas. Est-ce qu'on peut grimper? Oh putain! Oh putain! Ouais, c'est. Ah! Ah! Je remonte! Je remonte! C'est pas une bonne idée. C'est pas du tout une bonne idée de passer par ici. C'est 47. Et t'es passé où, Jardin Rock? Ah, tu m'as inquiété. T'aurais pas un petit radeau pour traverser là, dis-moi. Je sais pas. J'ai les compétences toi pour faire les radeaux? Je sais pas les faire. Hein. J'ai pas les compétences. Et jardinier, ça m'étonnerait que tu puisses le faire. Hein. Par contre. Laisse tomber. Tu sais quoi? Au moins, on sait qu'il faut pas passer par ici. Et à mon avis, c'est l'autre chemin qu'il faut prendre. Le chemin directement par là où on va passer. Toi sur ta carte, il aurait fallu longer le chemin pour le village de devant là où on était allé la dernière fois. Tu sais là où on fait planter des ouais, calices bien sûr, bien sûr, et qu'on remonte. Le village d'Alle. Village d'Alle. Ouais, c'est ça, le village d'Alle, exactement. Du coup, ce que je te propose, c'est qu'on rentre. Rentre et on y retournera la prochaine fois par notre chemin parce que là, je t'avoue que c'est pas une bonne idée. Là, on va y passer là. D'accord. Je sais pas, on verra, on va rentrer, mais on a pas le choix là. On a pas trop le choix, si je regarde bien, les montagnes nous bloquent. Et le problème c'est que dans l'eau, c'est pas évident là, c'est trop dangereux. Au moins on sait qu'ici, faut pas venir. Bon, dans tous les cas, l'expédition nous a servi à quelque chose. On a pu découvrir deux endroits intéressants quand même. Mais c'est vrai que je suis un peu déçu de cette histoire, mais bon. Là, personnellement, mon cheval il va pas tenir. Hein. Faire toute la... voilà, il peut tremper un peu, mais pas trop quand même, quoi. Ouais. C'est pas été à brûler. Ça, j'en sais rien, on découvrir en RP. Et par contre. Attends, nous, hein. Tu vas essayer de rentrer ou tu as encore un peu de temps? C'est des potes, tu veux faire ou quoi? Je me demande si par là on peut pas accéder au plateau qu'on a vu plus haut. Ah, t'es oui, c'est pas du tout. Jeter un coup d'œil. Ouais, t'as raison. Ça me plaît cette histoire. Ouais, effectivement, c'est pas une mauvaise idée. Il y a un petit chemin là. On l'avait pas vu passer, il est discret le petit chemin. Enfin, ouais, il est. Ouais, ça passe pas. Ouais, t'arrives pas à passer. Et par là, là comme ça voilà. Et comme ça. Ah, bah là. Ah, bonjour. Oh, il butait. Mon cheval il a pris cher encore. Si mon cheval il meurt, hein. Je finis la course à pied. Bon alors, du coup, Et t'es où? Tu me pousses, je te fais tomber. Allez, dégage. Hop. Allez, dégage. Et ça passe. Ça passe pas après. Oh, ça passe pas? Ah
Ah non, non, s'arrête la route, elle s'arrête un peu plus là, tu verras. Attends, je vais voir, ça va être terrestre. C'est Bon, bizarre le col. ça peut être aussi une seconde. Tu vois, le plan C. Ah oui, effectivement. Le placer, Tu c'est vois, pas. la cache C. La cache, La c'est. cache C Après, ici, c'est pas c'est très pas très mal. caché non plus, mais bon, c'est vrai que. Sympa Mais faut aussi. y arriver jusque là, tu vois. Tu Ouais, vois, c'est vrai, si c'est t'y vrai, arrives purée. là, t'essaies de le trouver. Hein. Effectivement. Bah écoute, t'as fait voir un peu, papa, passer par là? Attends, je vais regarder. Elle est bizarre. Hein. Elle va pas se coller. Voilà, ça marche pas. Et je vais essayer de passer par ici. Et elle est par là. Et tu l'as pas vu celui-là? Ah bah la vie, on peut passer par là, non? Tu vas essayer. Et vote! Vote, petit cheval! C'est le chamois, les. Oui. Après, c'est pas très RP tout ce qu'on fait là. Aïe, 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 aïe! Ah, c'est bon. Je suis détruit les gens, si je tombe avec le cheval, je reste dessus. S'il meurt, il meurt. Mais c'est pas très RP de sortir du cheval et qu'il prenne zéro dégâts. Le but, c'est que le cheval, il est en caisse. Le problème, c'est qu'on peut pas prendre des dégâts et le cheval aussi. Normalement, on devrait prendre les deux, les dégâts. Il est où? Et t'es où, Jardiland? Ça aurait été moins long d'attendre de Fufu en attendant. Oui, mais bon, après, ça fait vachement drôle de, pour vous, de les gens qui restent au même endroit et qu'on attende. Spam Ça par va la gauche. bien. Ouais, je pense que c'est pas une bonne idée. On a qu'à aller par là, tranquille, hein. Et on va rentrer tranquille là-bas. Et on regarde un peu si on peut monter, mais c'est vrai, mais t'en as rien. Mais t'en as rien. Mais ça, tu sais, c'est bon. Fais attention aux animaux, attention. Ce serait cool quand même de mourir sur le chemin du retour. Allez. Ouais, on n'y voit rien du tout là. Et je commence à avoir faim là. Je commence à vraiment avoir faim. Oh, c'est quoi ça? Eh, regarde! C'est pas un cheval ça? Alors, c'est pas un cheval. J'ai cru. Et regarde un peu! Regarde un peu le cheval! Hop! Et là, comment il est bien dressé! Et hop là! Hop là, t'as vu ça? Eh, pas contre toi le bouton! Pauvre bête. Ouais, c'est bon, j'ai fait de petites blagounettes. Ah, j'en doute que ça pour rire, oui, cher fil. Pourquoi le brouillard il tombe toujours quand tu pars en expédition? Ah, je J'ai sais remarqué que pas. quand tu es en ville, il tombe jamais. Et toi aussi, t'as des Tu trous dans ta parais carte? quoi là, ça mec? Toi aussi, t'as des trous? T'as des trous dans ta carte, toi aussi? Ah ben oui, je t'ai dit, il y a les mythes qui en ont mangé déjà une Ouais, bonne partie. mais il y en a de plus en plus de trous, je trouve. Plus j'explore, plus il y a des trous, quoi. Piquer à gauche? Ah, je reconnais l'endroit. Je reconnais pas, je sais pas. Fais attention Oui, c'est quand même. des arbres Oui. peints. C'est les arbres paix? Des arbres paix? C'est quoi les arbres paix? Ben, les arbres, on dirait que qu'ils ont été peints. Trier. Oh, il y a du métal ici. Allez, ça. Ah non, on n'est pas du tout ici. Pas du tout, passé par là. On n'est pas sur la sortie là. Ah oui, on est en train de monter. Bah, toi, on va explorer. Allez, tant qu'on y est. On se laisse guider par les cheveux. Du métal, attendez. C'est pour être du métal de la montagne au Sando. C'est pas mal ça. Si, le métal. Je vais prendre une lichette. Une petite lichette. Ah, j'ai pas de pioche en métal, moi j'ai. Une petite lichette. Hein, une quarantaine, ça ira très bien. C'est du métal de la montagne sacrée. Non, je retrouverai bien. Je retrouverai bien. Au moins, les traces quand il est parti en expédition, tu vois, c'est le petit trophée, toi. Je sais pas. Mais c'est quoi ici? C'est un volcan, c'est quoi? Mais où les gens en vrai? Et je C'est sais. quoi cette roche dure? Laquelle? Oh Là, 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 sur la droite, regarde, c'est pas du métal, ça. putain, oui! Oh, attention! Eh ben voilà! Il manquait plus que ça. J'ai Qu'est-ce une que roche c'est? bizarre. Tu verras, mais. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Vas-y, putain. Je récupère du bras, ça s'appelle. Bah écoute, j'en prends un peu, hein? Après un peu, ça vient toujours.
Allez, on prend un peu. Oh putain, j'ai déjà trop lourd. On va ajouter ça. Allez, récupère un peu. Et par contre, drôle de couleur, hein. Y'a pas de toxines ou quelque chose? Bizarre ça. C'est un peu chimique quand même. C'est sacrément lourd par contre. Récupère un peu ce petit métal. Il est joli. Il est bien. Et effectivement. Il y a plus de ça. Là, j'ai plus d'énergie. Tant pis. Allez, j'espère que ça va pas durer trop longtemps parce que je t'avoue que je suis pas en confiance là. Oh là 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 là. Je vais voter un petit peu les gars. Hop. Et hop. Eh, j'ai passé. C'est bon, tu t'es fait attaquer. Eh, j'ai eu peur. Non, non, c'est rien, la prime. Attends, par contre, regarde un peu. On va faire une technique spéciale de survie que je connais, je vais t'apprendre. T'as bougé pas? Bougez pas? Bougez pas? Voilà. Voilà. Et descends avec moi. On va faire la technique, c'est la technique de survie. Ah non, merde, ça marche pas. Attends. Il faut qu'on descende un petit peu là. On va pas tenir sinon. On va pas tenir. Et mets-toi à côté avec ton animal. Voilà. Voilà. Bougez pas? Bougez pas? Là, il faut que. Voilà. Faut qu'on se mette un tout petit peu plus à droite. Tu vois un peu? Hop. Hop. Je t'apprends un petit peu, tu vois, la technique de survie. Quand t'es surpris par la tempête comme ça, que t'es en pleine montagne, il faut te réchauffer, toi. Tu prends ton caleçon et tu te mets tous les deux entre les deux caleçons pour se protéger comme ça. Voilà, impeccable. Hein. C'est une technique. Ah oui, c'est vrai que ce sent mieux là déjà. Tu ressens moins le vent. Ouais, tu vois, ça t'évite de mourir frigorifié, toi. On se protège. Il va falloir attendre que la tempête te passe parce que là, c'est vrai que. Ouh là là, compliqué. Ah bah voilà. Tu vois, je t'avais dit qu'on allait survivre. Fallait me faire copieuse. Oui. C'est une bonne technique, ça. Je vais pas de l'oublier, je te le dis. Ah, par contre, ça m'a donné les fins. Ça m'a donné les fins. Bon, du coup, il faudrait que... Ah, je t'avoue que je suis pas serein, là. Bon, la stab a dit que c'est pas une bonne idée de rester ici. Il faudrait qu'on rentre, je passe. Je passe ce poste. Quoi, ça? Si tu veux, on rentre. Non, pas lui, il va encore nous juger, mais là. Ah, très bien. Bah écoute, moi je te propose qu'on fasse ce marche arrière. Au moins, on l'a repéré, mais c'est une mauvaise idée là. Il fait trop froid, il y a la tempête qui va nous tomber dessus à tout moment. Je passe pas que ça lui va y aller. Je passe pas. Faut savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter, je passe. Ok. Alors, on revient déjà quelques petites ressources sympathiques, tu vois. On a repéré les endroits, mais vaut mieux revenir vivant que mort parce qu'on a voulu trop. Trop poussé quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais monter l'expédition. C'est parce que c'est compliqué là, on a que des chevaux. La tempête guette de nous tomber dessus à tout moment, à nouveau, donc c'est compliqué. Toi. Impec. Bon. Bon, tout le monde a l'air de bien dormir. Héroïne, c'est bon. Ok, impeccable. Bon, alors il faut qu'on fasse le bilan de la journée. Alors le bilan d'hier déjà. Cotigrave. Alors, Cotigrave, on va continuer. Cotigrave. 2. Important. Important le Cotigrave, ça permet aussi de faire un résumé pour ceux qui n'ont pas suivi tout ce qui s'est passé. Et nous, ça nous permet d'avoir des traces, donc c'est ça qui est cool. Alors hier soir, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu tribunal. Tribunal réalisé. On a eu chaud aux fesses. Attention, Carva et ouais. Bête que ce qu'on passait. Ensuite, enfin un petit résumé. Comment il s'appelle? C'est quoi? C'est Toby a eu une peine de mort suite à nos accusations. Ne faites pas gaffe à l'orthographe, les gens, je suis pas professeur de français. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a eu la petite
C'est comment ça s'appelle déjà? Ellie. Ellie. Et une artiste. Surveiller. C'est un talent. Un talent. Un talent. Grandissant. Grandissant. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut marquer aussi? Et il y a eu du coup. Attentat. Attentat chez nous. En présence de. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? C'est monsieur. C'est Angelo. Angelo. On va sauvegarder au cas où. Save. On va passer à l'espace de 2. Suite à l'attentat, nous pensons que le coupable est Angelo. Deux points. Il s'est empressé. J'ai quand même une merde. De demander d'avoir plus de droits pour la garde. Entre parenthèses, coup d'état à venir. Interrogation. Ça fait un petit bilan, c'est cool. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu encore? On a prévenu le Tauron d'or. Tauron d'or. Il n'a pas eu l'air de nous prendre au sérieux. Trois petits points. On a quand même gagné dans l'histoire une maison entre guillemets sécurisée, donc pas entre guillemets, par des portes en mitril. Je vois, c'est comme ça. Bon, voilà pour l'oublier d'hier, vite fait, rapidement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les gens? C'est nice, ce journal comme ça. Je vais écrire des histoires dedans et envoyer ça à la bibliothèque. Ouais, franchement, c'est trop bien ce mode là. C'est trop trop bien, Unix. Et franchement, même pour notre RP, on va faire professeur. Les enfants, ils vont pouvoir avoir leur petit cahier, etc. Et moi, je fais un journal de bord tous les jours en fin de live. Tu vois, je marque tout ce qu'on a fait. Bisous, papy Greg. À la prochaine. Qu'est-ce que j'ai oublié d'hier important? Dites-moi les gens s'il faut que je revienne, s'il y a des trucs que j'ai pas marqué d'hier qui sont importants. Le côté, les gros animaux qui ont été tués, ça je le marque pas les gens, je vous rappelle que ça faut pas en tenir en compte. Donc du coup, tout l'RP que ça peut avoir apporté, faut pas que je le marque. Le mécontentement, etc. Donc faut pas que je le marque, parce que c'est des raisons HRP qu'on a fait ça. Donc du coup, c'est Cotigrab, je crois qu'elle avait dit. T'as save. Page 1 avait dit quoi? Comment on l'appelle? C'est le Cotigrab. Donc ça c'est pour hier soir. Cotigrab 3. Du coup, c'est pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Concrètement, vraiment important. On a convenu avec une. Comment ça s'appelle? Irina. Avec Elirina. Elirina pour l'aménagement de l'école. Ainsi que de notre. Galerie Coversat. Entre parenthèses, devis à fixer. Expédition réalisée avec Jardiland. Non, c'est pas Jardiland, c'est Jardirock. Pour trouver le fameux village viking. Deux points, on ne l'a pas trouvé, mais on a pu découvrir une zone où prolifèrent les pingouins. Putain, j'ai... Attendez, comment j'écris mon truc? Prolifère, c'est comme ça, prolifère? Ouais, c'est pas grave, tant pis, on s'en fout. Tant pis, le pingouin.
une éventuelle cache et des minéraux inconnus, peut-être toxiques. Voilà, concrètement, c'est ce qui s'est passé ce midi. Le RP, etc., avec les gens qui ont attendu, etc., c'est pas, faut pas vraiment le prendre en compte. Dans la boîte, c'est beau. Ouais, t'as là, j'ai marqué. C'est vrai que j'ai pas beaucoup précisé par rapport au tribunal. Ouais. Drôle de comporteur au tribunal. Deux points, enfin, virgule. Accusation, provocation. Non fouille, j'appelle ça non fouille, je sais pas comment on peut appeler ça. Non fouille. Il se trame quelque chose, on s'en fout. Le but c'est d'avoir des traces écrites. Je vous rappelle les gens, si je fais ça, c'est pour plein de raisons. Déjà pour vous, ça vous apporte des bilans de tout ce qui s'est passé pour ceux qui ont loupé. Ça permet d'avoir une trace écrite et on le revoit ensemble. Mais en plus, si je me fais capturer, quelqu'un le lit, ça fera les traces un petit peu de ce que je fais. C'est un peu mon journal intime. Toi. Hey, ok, je pense que les bons. Pas grave, que vas-tu faire quand tout sera devant nous. Pas grave, que vas-tu faire à part tomber par terre. Quand t'avais 8 ans et pas encore tes dents, t'allais au champ avec tes papa et maman. Alors pourquoi fais-tu autant le fou? Dis-toi juste que c'est nous les chasseurs casse-cou. Pas grave, que vas-tu faire?